au chapitre 11. Chapitre 11, à partir du verset 8, si vous pouvez me permettre à moi-même de lire ici, la Bible déclare, vous y êtes? Yes, thank you. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitée sous des tentes, afin qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je suis au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta. Quelqu'un suit bien ce qui suit? Parce qu'il crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Être vainqueur en entendant son miracle. Tout prédicateur sait que nous recevons l'inspiration de plusieurs manières. Nous pouvons recevoir l'inspiration de la part de Dieu pendant qu'un autre prédicateur est en train de prêcher. Nous pouvons recevoir l'inspiration pendant que nous sommes en train d'adorer tel que nous étions en train de le faire. Nous pouvons recevoir l'inspiration pendant que nous prions. En fait, il y a plusieurs manières où les prédicateurs reçoivent leur message. Nous pouvons recevoir la prédication pendant que je suis en pleine méditation de la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières. Et ce que nous sommes en train de voir ce soir, c'est quelque chose que le Seigneur a commencé à mettre à mon cœur quand je commençais à me poser certaines questions. En lisant bien dans la Bible, moi j'aime aussi l'histoire de l'Église. En lisant la parole de Dieu et en lisant l'histoire de l'Église, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié et qui ont vu la main de Dieu. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont prié et qui n'étaient plus les mêmes. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont prié et qui ont tenu, qui sont devenus plus forts. Bref, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des hommes et des femmes de prière. J'ai commencé à me demander, mais Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, mais il y a telle chose que je vois dans la vie de telle personne, telle chose. Je lis d'abord Élie. Élie était un homme, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié, la pluie est descendue, l'Église a prié pour Pierre. Pendant qu'il était en prison, Pierre était sorti. Que des témoignages, que de changements, que de choses profondes que les hommes ne peuvent même pas expliquer à cause de la prière. Je n'ai pas seulement lu ces choses sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de l'Église, sur le plan des gens qui pouvaient prier pour une ville. Il y a deux dames de 84 et 86 ans, je crois que ça doit être... En Angleterre, si je ne me trompe pas, il y a un ou deux siècles passés, elles ont vu que dans leur ville, il y avait trop de péchés. Elles se sont mises à prier et le réveil est venu. Bien-aimé, j'ai lu des choses qui ont commencé à me dépasser. Et de là, j'ai commencé à me poser la question, mais Seigneur, est-ce que ces gens sont de la même nature que nous ou pas? La deuxième chose, comment est-ce que ces gens arrivent à vivre des choses que l'homme ne peut comprendre? Et pourtant, le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, j'ai commencé à me fâcher contre ma propre vie de prière. J'ai commencé à être insatisfaite. C'est comme si nous entrions tous quelque part où les gens sont sortis avec beaucoup de choses. Moi, je n'y sortais pas avec beaucoup de choses. C'est comme si nous allions tous dans une même chambre. Si par exemple, je vais avec le pasteur Papi, tu es avec Papa Noël dans une même chambre. Eux sortaient avec beaucoup de choses. Je me regarde, je dis, mais est-ce que vous avez été là où moi j'étais? Ils disent, oui, nous avons été là. Mais qu'est-ce qui fait que moi aussi je viens de là? Je n'ai
pas reçu la même chose que vous recevez. Donc, il y a des choses là-bas. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Le problème, c'est qu'il y a. Le problème doit se situer à mon niveau. Yes, Lord. J'ai vu des gens vivre des choses extraordinaires par la prière. J'ai vu des gens secouer des villes à cause de la prière. J'ai vu des gens où arrêter la pluie à cause de la prière. J'ai vu des gens soutenir des hommes et des dieux qui étaient faibles et qui sont devenus forts à cause de la prière. J'ai vu l'église dans Acte prier pour que Pierre sorte de la prison. My God, Pierre est sorti de la prison. J'ai vu des choses et j'ai lu des choses. Oh mon Dieu, je commence à me poser des questions. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que ces gens ont fait? Mais en dehors de qu'est-ce que ces gens ont fait, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, donc il y a un secret que Dieu a placé au travers de la prière. Yes, Lord. Il y a des moments où, peuple de Dieu, nous devons poser sur certaines choses et commencer à réfléchir. Poser, s'arrêter. Il y a des moments où nous devons nous arrêter sur certaines choses et commencer à réfléchir. J'ai regardé tous ces gens qui ont prié le même Dieu que moi. Alors je me suis dit, il y a des choses que Dieu a cachées au travers de ce chemin qu'on appelle la prière. Il y a des choses que Dieu a disposées au travers de ce chemin et rien que par ce chemin, au travers de la prière. J'ai lu même un homme de Dieu, ce livre-là, je ne sais pas qui me l'a pris. Alléluia, cet homme, j'ai lu un livre. Quand j'ai vu le titre du livre, je me suis dit, cet homme a quand même osé de dire ça. Le titre du livre, c'est « Tout par la prière ». Bien-aimé, donc il ne laisse rien qui ne peut se produire au travers de la prière. Il dit « Tout par la prière ». La prière a affermi des foyers faibles. La prière a transformé des villes. La prière a fait descendre le feu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a fait au travers de la prière. Et un homme de Dieu a osé dire, il n'y a rien que Dieu va faire en dehors de la prière. Écoutez un peu des phrases que des hommes de Dieu utilisent. Écoutez un peu ces phrases profondes. Tout par la prière et il n'y a rien que Dieu peut faire en dehors de la prière. Tu peux te tenir et dire quelle phrase osée, c'est faux. Ce n'est pas faux. Il a expérimenté cela. C'est pourquoi il a parlé. Dans la Bible, il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai commencé à me poser la question. J'ai dit, Seigneur, il doit y avoir des choses que tu as cachées dans ce mystère, parce qu'au fait, ce ne sont pas ces hommes qui ont commencé à aller chercher Dieu. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. La prière, ce n'est pas l'homme qui a commencé à chercher Dieu. C'est Dieu qui a commencé à chercher l'homme. C'est Dieu qui a donné l'ordre à l'homme. Invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire, comme les pasteurs ont souvent prêché, le mariage a été institué par Dieu. La prière aussi a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a institué la prière et il y a des choses qu'il a cachées rien qu'au travers de la prière. Et j'ai dit au Seigneur, ne récupère pas mon souffle tant que je n'ai pas encore découvert les profondeurs de cet exercice spirituel que l'on appelle la prière. Que des choses terribles. My God. Mon chaimani de plaie. Que de choses terribles, que des malades ont été guéris au travers de la prière, que des morts ressuscités au travers de la prière, que de vies transformées au travers de la prière, que de gloires vues, expérimentées, pas des choses, des histoires, non, des choses expérimentées au travers de la prière, que des gens qui ont eu la crainte de Dieu dans leur vie au travers de la prière, que des âmes qui ont été sauvées parce que leur père ou leur mère intercédait, que des vies transformées, que de couples rétablis, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as caché dans la prière? J'ai commencé à me poser la question, c'est un mystère spirituel que peut-être que la bouche ne saura expliquer, mais les faits sont là, les faits nous les vivons, les faits nous les voyons. Oh mon Dieu, pourquoi mon Seigneur a commencé son temps par un jeûne et prière?
pourquoi mon Seigneur a commencé son ministère par un jeûne et prière de 40 jours. Jésus, révèle-moi cela. Jésus, parle-moi. Je me rends compte qu'il y a des choses que tu as cachées dans ce box qu'on appelle la prière. Je me rends compte qu'il y a des choses que tu as cachées dans ce chemin qu'on appelle la prière. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Première chose que j'aimerais te dire, pour bénéficier d'une chose, bien-aimé, c'est comme une machine. Pour bénéficier d'une machine, il faut en savoir l'utilisation, le mode d'emploi. C'est pourquoi dans les appareils que nous achetons, il y a toujours un mode d'emploi qu'on met dedans. Et bien-aimé, j'aimerais te dire, je n'ai pas fini. Peut-être que des années, je n'en finirai pas. Mais ce qui est vrai, c'est que j'en découvrirai et j'en découvrirai toujours sur la prière. J'ai commencé à checker, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. La première chose, bien-aimée, que nous devons savoir, je vous ai dit, c'est Dieu qui a institué la prière. Ce n'est pas un homme qui a commencé à chercher Dieu. C'est Dieu qui a commencé à chercher l'homme et a dit à l'homme, invoque-moi, je te répondrai. Cherche-moi, bien-aimé. C'est Dieu qui a demandé à l'homme de pouvoir le chercher. C'est Dieu qui a institué ces choses. Une autre chose que tu dois savoir. Alléluia. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que au travers, c'est que tu devras prier comme Dieu veut que tu pries, afin que tu puisses bénéficier des choses que Dieu a placées dans la prière. Comme je vous le disais tout à l'heure, si tu n'utilises pas bien l'appareil, le mode d'emploi, si tu ne le lis pas bien, tu ne sauras pas bénéficier de tout ce qu'on a mis dans l'appareil. Tu ne sauras pas le bénéficier. Il faut devoir l'utiliser, bien-aimé. J'ai commencé à prier le Seigneur afin de pouvoir m'aider à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dedans, ce qui est vrai. Dieu m'a dit une chose. Élise, j'ai mis au-delà de ce que tu me demandes. J'aime bien. Je voudrais bien donner une illustration. C'est très important. Un jeune peut venir rapidement. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Avant que je ne donne l'illustration, je veux te dire que le diable a fermé nos yeux sur l'importance de la prière. Il a vraiment fermé nos yeux. Il a réduit la prière à quelque chose de rien. De demander simplement. La prière est plus profonde que celle-là. Elle est plus profonde que demander un enfant. Elle est plus profonde que recevoir de la part de Dieu une guérison d'une maladie. Elle est plus profonde que cela. Quand j'ai commencé à prier Dieu, quand tu commences aussi à prier, tu découvriras peut-être plus que ce que moi j'ai découvert. Bien aimé, je me suis rendu compte qu'avant je faisais ceci. Alléluia. Il a le cahier. Voulez-vous monter ici si ça ne vous dérange pas? Merci beaucoup. Alléluia. Il a toutes ces choses-là entre ses mains. C'est moi, Élise, je vais vers l'Éternel. Le diable a mis dans ma tête que ce que tu ne peux recevoir qu'en cet endroit-là, ce n'est que ce que tu demandes à l'Éternel. Or, c'est faux. Bien-aimé, si tu vas... Le diable a réduit la prière. J'ouvre une parenthèse. Le diable est champion en réduisant la valeur des choses et des dieux. Il ne voudra jamais que tu découvres la valeur de la prière. Il ne voudra jamais que tu découvres la valeur de ton appel. Il ne voudra jamais que tu découvres la valeur des choses que Dieu fait dans ta vie. Il ferme tes yeux et il réduit cette valeur. Regardez un peu les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés de l'Égypte lorsqu'ils étaient des esclaves. Ils sortent de l'Égypte pour aller dans le pays promis. En route, bien-aimé, Dieu
va fendre la mer rouge en deux. Dieu va se manifester comme une colonne de feu. Dieu va se manifester comme une colonne de nuée. Mais tout ça, les enfants d'Israël ne voyaient pas. Ils n'ont vu que la manne. Ils disaient à Moïse, il était bon que nous puissions rester en Égypte au lieu de nous amener mourir ici. Bien aimé, le diable ne te laissera jamais connaître la valeur de la prière. Le diable ne te laissera jamais connaître la valeur de ton appel. Le diable ne te laissera jamais connaître la valeur de ce que Dieu te demande, la valeur de la parole que Dieu demande dans ta vie. Il viendra toujours réduire cette valeur-là afin que tu n'y prêtes pas attention, afin que tu te dises que je le fasse ou pas, c'est la même chose. Les enfants d'Israël qui ont vu la colonne de nuée, ils ne se sont pas rappelés de la colonne de nuée. Ils ne se sont pas rappelés de la mer rouge qui s'était fendue. Mais ils traversaient la mer rouge pour aller se rappeler des concombres qui étaient en Égypte. Bien aimé, le diable les faisait comprendre. Ne tirez pas attention à ce que Dieu fait. Ne tirez pas attention à ce que Dieu dit. Quand tu ne tires plus attention à ce que Dieu fait, quand tu ne tires plus attention à ce que Dieu dit, ça sera le début de ta chute. Alléluia. Il le fait avec toutes choses. Ne tire pas attention au don que Dieu t'a donné. Ne tire pas attention à ton appel. Ne tire pas attention à telle ou telle autre chose. C'est une stratégie que j'ai compris du monde des ténèbres. Alléluia. Que les gens se sont découragés parce qu'ils pensaient que Dieu ne faisait rien. Or que Dieu était en train de faire quelque chose dans leur vie. Que des gens qui ont lâché parce qu'ils pensaient que Dieu n'était plus là. Or que Dieu était là. Je prie que Dieu ouvre les yeux du cœur de quelqu'un afin que tu puisses comprendre ce que c'est la vie de prière. Mais au-delà de la vie de prière, afin que tu vois l'Éternel agir dans ta propre vie. Car si cela ne t'arrive pas, un jour tu risques d'abandonner. Je viens. Alléluia. Et je disais que la stratégie du diable par rapport à la prière, c'est que lorsqu'il t'amène, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, il enlève tout de Dieu. Il enlève tout ce que tu peux recevoir de Dieu. Il te laisse avec une seule chose, la bouteille d'eau que tu demandes à Dieu. Bien-aimé, quand tu entres dans la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule chose dans ta tête, la bouteille d'eau que je demande. Quand tu fais des jeûnes et prières, tu as un sujet, je le sais, ce n'est pas mal. On conseille même que tu ne peux pas prier vaille que vaille. Dans la présence de Dieu, il faut être précis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans la présence de Dieu, la stratégie que le diable utilise, dans la présence de Dieu, il n'y a pas que la bouteille d'eau que tu demandes. Il y a beaucoup de choses que tu peux recevoir dans sa sainte présence. Au-delà de tout ce que tu demandes, en dehors de la bouteille d'eau, il y a ce papier. En dehors de cela, il y a ce cahier. En dehors de cela, il y a cette Bible. Donc, pour bénéficier de ce que Dieu a mis dans la prière, va dans la présence de Dieu avec la foi. Au-delà de ce que tu es en train de demander, sachant que Dieu dispose des choses au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce à quoi tu t'attends. Si tu te limites seulement à ce que tu demandes, bien-aimé, tu risques d'être déçu. Je n'ai pas dit que Dieu ne te donnera pas. Mais vois au-delà de ce que tu es en train de demander. Car tu vas dans la présence du grand Dieu. Si tu passes toutes tes nuits de prière rien qu'en train de demander la bouteille d'eau. Tu passes des 40 jours rien qu'en train de demander la bouteille d'eau. Dieu va te regarder et dire, ma fille Élise, je n'ai pas que la bouteille d'eau entre mes mains. J'ai aussi autre chose que tu peux bénéficier de ma part. C'est ce que le diable fait, il te laisse être focalisé. Et quand tu es focalisé sur une chose, plus tu attends, plus tu te décourages. Peut-être que Dieu, avant de te donner la bouteille, il s'est dit, je vais d'abord te donner ça. Bien-aimé, il est Dieu. Nous aimons chanter, il est Dieu. Quand nous chantons, il est Dieu. Cela veut tout dire. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas nos voix. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais lorsqu'il voit que ce que tu demandes entre dans sa volonté, bien-aimé, rassure-toi, comme Sarah, malgré l'âge avancé, cela viendra de la part du Très-Haut. Merci. Oui,
bien-aimé, j'ai commencé à comprendre qu'au fait de la présence de Dieu, il n'y a pas que ce que je demande. Je dois chercher plus, je dois bénéficier plus, je dois creuser plus. Et il y a des moments où j'entre dans la présence de Dieu, je lui dis, je suis là. Bien-aimé, si j'entre dans cette présence et je ne reçois pas ce que je dois recevoir, la faute n'est pas à Dieu, la faute est à moi. Jésus-Christ a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Mais il y a un moment où il a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a quelque part où il dit, donne-nous notre pain quotidien. Bien-aimé, il n'y a pas que notre pain quotidien dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la seule chose que tu as à demander. J'aimerais que ce soit par la grâce de Dieu que nous puissions jouir de tout le bonheur, de toutes les grâces, de toutes les forces, de tout rafraîchissement. Alléluia. Que Dieu nous a disposé pour nous dans sa présence. Car Église, comment tiendrons-nous sans cette présence? Comment tiendrons-nous si nous ne restons pas dans cette présence? Il n'y a pas que ce que tu demandes, il y a le renouvellement dans sa présence, il y a la force dans sa présence, il y a au-delà de ce que tu crois. J'aime bien dire, sur notre chemin chrétien, bien-aimé, le diable jette toujours des choses, tous les jours. Ça peut être le découragement, ça peut être la confusion, ça peut être les difficultés. Il y a des choses que le diable met sur notre chemin. Si, bien-aimé, tu n'attends que ton miracle sans être dans la présence de notre Dieu, tu seras vaincu avant de pouvoir recevoir le miracle. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je veux dire en disant être vainqueur avant de pouvoir recevoir son miracle? J'aimerais que nous puissions relire, Sarah. Seigneur, je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Je le disais tout à l'heure et je vais le redire. Quand j'ai découvert que je n'utilisais que très peu de ce moyen de prière, j'ai commencé à me révolter contre ma propre vie de prière. J'ai dit, Seigneur, non mot, je veux plus, car il y a plus. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais c'est moi qui suis trop focalisé à une seule chose. À tel point que je peux venir d'un long moment de jeûne et prière, mais je me retrouve vaincu, je me retrouve brisé. Mais lorsque je vais m'abandonner pour dire, Seigneur, donne-moi ce que tu as disposé dans ta présence, que des fleuves vont se déverser, que des fleuves vont couler, car il y en a, bien-aimé, il y en a. Pour moi-même, pour l'Église, pour mes pasteurs, pour mes responsables, il y a des choses que Dieu a disposées. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce n'est pas seulement les besoins matériels. Les lois sont en train de sortir nuit et jour, non seulement ici en France, mais dans ce monde. Si on est réellement chrétien, on comprendra l'importance de la prière. Si on est réellement chrétien, on saura qu'il n'y a pas moyen de vivre dans ce monde sans la vie de prière, sans rester en communion personnelle avec le Seigneur. Si on est réellement chrétien, on saura qu'il n'y a pas moyen de tenir sans le Seigneur. Quel prédicateur disait, si Dieu ne nous soutenait pas, qui se réveillerait chrétien demain matin? Si Dieu ne nous tenait pas à la main, qui peut se réveiller chrétien? Je ne veux pas dans la présence de Dieu seulement pour avoir un billet que je suis en train de chercher. Je vais dans la présence de Dieu parce que je sais, avant et après le billet, ma vie avec le Seigneur doit continuer. Et plus je vis dans la présence de Dieu, plus cette vie, il me transmet sa vie et je continue à tenir. Si je demande un enfant aujourd'hui et que j'ai un enfant et après, et après, bien-aimé, vais-je rejeter le Seigneur? Vais-je laisser la vie de prière? Il n'y a pas que ce que tu cherches. Il y a plus que ce que tu cherches. Dieu savait que tu ne pouvais pas cheminer dans ce monde sans lui.
Dieu le sait, nuit et jour, dans les écoles, my God, dans les universités, dans nos familles, nuit et jour, bien-aimés. Ici, nous crions, mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas crier. Ils doivent se cacher dans les cimetières. Ils doivent se cacher dans des maisons afin de pouvoir prier. Ils ont leurs tentations, leurs épreuves. Tu as tes tentations et tes épreuves. Comment tu vas les traverser sans être en communion avec le Seigneur? Comment tu vas les traverser sans connaître cette vie de prière profonde? Comment tu vas traverser ce temps? Église, je vais décevoir peut-être quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Le temps risque d'être très compliqué. Le temps risque d'être très difficile. Je suis en train de dire à Dieu, quand il ouvre mes yeux, lire la parole de Dieu, lire le temps, je me dis, Seigneur, suscite des hommes et des femmes qui se mettront à genoux afin que quelqu'un puisse se tenir, car le temps qui est en train de souffler et qui pourra souffler risque de nous emporter. Mais si nous tenons devant toi, comme Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, nous ne tomberons pas, Seigneur. Je disais aux intercesseurs avant de venir, chers intercesseurs, je sens dans mon cœur que nous sommes en train de jouer avec la vie de prière. En lisant ce que d'autres personnes ont fait, en lisant ce qu'il y a là dans la parole de Dieu, c'est comme si nous étions en train de jouer. Les intercesseurs pensent qu'être intercesseur, c'est faire 2 heures par semaine venant à l'église. Je suis inscrite sur la liste des intercesseurs. On passe 2 heures dans la semaine. Quelquefois, c'est même 2 heures par mois à l'église parce que pendant 3 semaines, on est absent. Bien aimé, c'est le moment où Dieu doit ranimer le feu de la prière à l'église afin que nous puissions traverser le feu. C'est le moment où Dieu doit susciter des hommes et des femmes qui donneront leur vie au Seigneur pour pouvoir intercéder pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur pasteur, pour l'église. Nous ne sommes pas là que pour dire tel pasteur est tombé, mais nous sommes là pour pouvoir appliquer la parole du Seigneur afin de pouvoir prier, afin que Dieu soutienne ses serviteurs. Les temps ne sont pas bons, les temps sont compliqués. Pendant que tu vas dans la présence de Dieu seulement pour ta bouteille d'eau, sache qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. À droite de toi, l'église a besoin de quelque chose et Dieu a mis la prière comme un moyen par lequel nous pouvons recevoir sa grâce et sa miséricorde afin de pouvoir tenir pendant ces temps. Les temps sont durs aujourd'hui et les temps risquent d'être durs demain. La prière n'est pas seulement un moyen pour moi de recevoir mon pain. La prière aussi est un moyen pour permettre à l'église de tenir pendant des temps compliqués. La prière est aussi un moyen pour pouvoir tenir, pour qu'un homme ou une femme dans cette église tienne devant cette fille qui est en train de la suivre nuit et jour. La prière est aussi un moyen qui va permettre à quelqu'un de pouvoir tenir devant beaucoup de tentations. Chacun de nous a ses tentations, chacun de nous a ses épreuves, chacun de nous a ses difficultés. La prière pour nous tous est un moyen qui nous permet de recevoir la grâce de la part de Dieu afin que lorsque je sors d'ici, je deviens plus fort. Il y a des moments où nous chantons ici « Waymaker, Miracle Worker » mais quand nous allons dehors, cette chanson ne vient plus à cause des épreuves que je rencontre. Qui priera pour moi? L'apôtre Paul qui a vu des grands miracles de la part de Dieu, il demandait la prière. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Église, il est temps que nous puissions nous réveiller. Des temps pareils sont des temps de rafraîchissement, non pas seulement de ta vie, mais des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, non pas seulement la parole du salut, mais dans le monde entier. Vos frères, vos sœurs sont là. La borne Johannesburg est là, la borne Cape Town est là, la borne Kinshasa est là. Mais en dehors de la borne, les assemblées de Dieu sont là, les baptistes sont là. Les temps sont compliqués, non seulement pour les assemblées de Dieu, mais pour les enfants de Dieu. Où sont ces hommes et ces femmes qui pouvaient prier pour leur pasteur, qui pouvaient pleurer pour leur pasteur, afin que Dieu fasse descendre la grâce sur le pasteur? Pendant qu'il est en train de prêcher, une âme peut être en train d'aller se suicider. Que Dieu donne l'onction à notre pasteur. Pendant qu'il parle, cette personne se dit, je ne me suiciderai plus. Ils en ont besoin de cette grâce, besoin de cette force.
Les forces des ténèbres cherchent les enfants de Dieu à tout moment et chaque jour. Tu ne peux pas savoir ce que ton voisin a dans le cœur. Tu ne peux pas savoir par quoi il passe. Tu ne peux pas savoir par quelle tentation il passe. Tu ne peux pas savoir par quelle douleur il passe. Nos mains levées tous ensemble, Église. Dieu nous transportera, même si mon miracle n'est pas encore là. Il me rendra vainqueur au travers de la prière. Je traverserai la tentation comme un vainqueur au travers de la prière. La tentation sera là, mais je vaincrai. La tentation sera là, mais je passerai. Le feu sera là, mais je le traverserai. Je parle aux chrétiens. Réveille-toi. Réveille-toi. Entre dans la présence de Dieu en regardant le temps. Entre dans la présence de Dieu en regardant le temps pendant lequel nous passons. Tu comprendras que je n'ai pas que ma guérison à demander, j'ai aussi la foi à être fortifiée. Je n'ai pas que l'enfant à demander, j'ai aussi besoin de l'onction du Seigneur afin de pouvoir arracher et abattre. Les temps sont compliqués. C'est un temps de combat spirituel. C'est un temps de choses terribles, bien-aimés. Les églises sont en train de fermer. J'étais en Allemagne, on était dans une conférence, on dit, il y a une église qui a été prise par les musulmans. Église, quand nous organisons des moments pareils, pourquoi dormons-nous? Pourquoi ça ne nous fait rien? Que les églises soient en train d'être fermées, en train d'être prises. Mon Dieu! L'apôtre Paul a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le diable est à l'œuvre, Église. Le diable est à l'œuvre, équipe d'intercession. Le diable est à l'œuvre. Les 2 heures, 3 heures que nous passons par semaine, ça ne suffit plus au ciel par rapport au combat que nous endurons, par rapport au combat que chacun de nous endure, par rapport aux attentes de chacun de nous, sur le plan administratif, sur le plan de santé, sur tous les plans. My God, il y a des gens qui traversent des moments compliqués dans leur ménage, ils ne dorment pas, ils ne font que pleurer. J'ai vu des gens, my God, Shaimani Deplay, si Dieu peut nous faire cette grâce de descendre encore cet esprit de prière, de descendre encore cette grâce, Église, le feu s'allumera. Tu verras que quelqu'un aura la force de marcher par le feu. Nous sommes découragés pour des choses de rien du tout. Nous sommes découragés pour la lotion et nous donnons nos cœurs, nos corps. Nous sommes découragés pour tel ou tel autre, pour les papiers, nous donnons nos cœurs. Qui priera pour moi, Seigneur, afin que je reste fortifié? C'est par quoi mon pasteur passe, je ne le sais pas. C'est par quoi des serviteurs et servantes passent, je ne le sais pas. C'est par quoi l'église passe, je ne le sais pas. Acheter une propriété n'est pas la totale victoire. C'est une victoire, bien-aimée. Mais les chrétiens, être affermis, c'est ce que Dieu veut dans ce bâtiment acheté. Mais comment serons-nous affermis? Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Seigneur, Jésus a regardé Pierre. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Penses-tu qu'il n'y a que Pierre qui a été réclamé? Je n'y crois pas. Tout chrétien est réclamé par le monde des ténèbres. D'une manière ou d'une autre, intercession, Église, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Je ne suis pas venu dire à quelqu'un, jette ton sujet de prière, mais je suis venu dire à quelqu'un, regardons les choses dans la perspective de Dieu, regardons le monde et comprenons que le monde est en train d'être détruit et le monde est détruit. Oh my God! Il n'y a pas un pays où j'ai vu des homos comme en Afrique du Sud, Seigneur, il y a des choses bizarres dans ce monde. Église, lèvons-nous. Église, lèvons-nous. Je suis venu pour faire un appel. My God, un appel que Dieu a déposé dans mon cœur.
Un appel. Il y a des pasteurs qui moisissent en prison, des chrétiens qui moisissent en prison. Je suis venu faire un appel pour un vrai réveil dans la prière. Je suis venu de la part du Seigneur pour faire un appel pour un vrai réveil, un réveil vrai, un réveil puissant, en commençant par les intercesseurs, les hommes de Dieu. Je suis venu faire un appel pour des gens qui doivent se donner nuit et jour afin de chercher la face de Yahweh. My God, les temps sont compliqués. Vous n'avez pas encore vu ici. Je ne sais pas s'il y en a en Afrique du Sud. Nous avons des serviteurs qui font boire le pétrole, qui font manger de la pelouse. Et les gens accourent des milliers et des milliers. Comment quelqu'un ne va pas courir là-bas, bien-aimé, si nous levons nos mains? C'est un combat spirituel pour combattre ces forces des ténèbres. Le peuple reconnaîtra le faux et le vrai. Le peuple va rester dans la présence du Seigneur. C'est ça notre victoire. Nous les avons vaincus par notre foi. Être vainqueur avant son miracle, c'est demeurer dans la foi, bien-aimé, malgré le temps, malgré les complications, malgré les difficultés. Mais Jésus dit, tu demeureras dans la foi lorsque tu te mettras à genoux. Je t'ai donné un moyen par excellence. Cherche-moi, cherche-moi. Si tu dis à 5 personnes de te dire leurs problèmes, tu vas te regarder, tu vas te dire, moi peut-être ça va. Un serviteur de Dieu disait, quand je me suis marié, je n'aimerais pas citer son nom, il dit, quand je me suis marié, je commençais à aimer une fille. Il a dit à la chair, j'ai dit, je commençais à aimer une fille. Après un temps, moi-même, je me suis demandé, qu'est-ce que j'allais suivre là-bas? C'est pour dire, il y a des choses qui se passent dans les cœurs des gens. Des tentations terribles, compliquées, difficiles. Dieu cherche parmi nous des hommes et des femmes qui vont dire, nous nous tiendrons à la brèche. Je vous dis, les choses ne resteront pas pareilles. Mon pasteur à Johannesburg a toujours dit, nous vous refusons des gens qui aiment des prières, simplement des prières curatives. La loi est déjà sortie, nous commençons à sauter pour prier. Nous cherchons des gens qui font des prières préventives. Avant que ça ne sorte, nous nous sommes à genoux afin de pouvoir contrecarrer les choses. Église, le temps est compliqué et risque d'être très compliqué. Le Seigneur dit, mettez-vous à genoux afin de tenir ce qui est vrai, ce que le ciel s'ouvrira. Si nous nous mettons à genoux, quand on parle du ciel ouvert, ne pense pas seulement à ce que tu demandes. Pense au-delà de ce que tu demandes. My God, le ciel ne s'ouvre pas seulement pour me donner ce que je cherche. Le ciel s'ouvre pour répandre des grâces extraordinaires dans ma vie, dans cette église et même dans cette ville, dans cette nation. Des choses terribles. Est-ce que tu suis les infos? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il y aura demain avec nos églises dans nos pays. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'on nous dise qu'on ferme les églises? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'on arrête nos pasteurs pour que nous ne puissions pas dormir? Qu'est-ce que nous attendons? Lèvons-nous. Dieu a dit, levez-vous. Dieu a dit, levez-vous, qu'une armée s'élève. Si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il a déjà donné cette grâce. Il a déjà répandu cette grâce et à nous de pouvoir obéir. J'ai dit à Dieu, donne-moi des nuits et des journées. Donne-moi des nuits et des journées où je serai loin du WhatsApp, loin de Messenger, loin du Facebook, loin de Instagram, loin de tout ce que tu veux, Seigneur. Donne-moi ces journées où je porterai des serviteurs et servantes des dieux, où je porterai des enfants des dieux, même ceux que je ne connais pas, où je les porterai devant ton trône afin que tu les fortifies. Quelqu'un peut me dire, Dieu ne peut-il pas le faire seul sans qu'on ne lui dise, je ne suis pas Dieu, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais ma Bible me démontre, l'histoire de l'Église aussi me démontre, que lorsque le peuple se met à genoux, les cieux s'ouvrent, la grâce descend. Je me rends avant de continuer. Que quelqu'un mette sa main sur le cœur.
avant de continuer, je vais demander au pasteur Noéla par une courte prière de dire à Dieu, dans cette église, suscite des hommes et des femmes qui crieront jusqu'à ce que le feu descende, qui crieront jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, qui crieront jusqu'à ce qu'une âme qui était affaiblie s'affermisse. C'est possible, Église. Je le sens profondément du fond de mon cœur. Je le sens et je le sens et je le sens. Shaimani de plaie. Tant de rafraîchissement. Oui, le rafraîchissement viendra réellement. Si quelqu'un peut se mettre à genoux. Si l'équipe d'intercession peut encore le faire encore et encore et encore et encore. Nuit et jour, dire à Dieu, we need it, Lord. Nous en avons besoin, Seigneur. Que Dieu donne à cette église des hommes et des femmes qui ont la douleur de l'enfantement. Des hommes et des femmes qui n'ouvriront pas seulement leur bouche, mais qui ouvriront aussi leur cœur. J'ai lu des serviteurs en train de prier, s'étant enfermés pendant des jours. La femme chez qui ils vivaient, ils ont dit à un serviteur, viens prendre tes gens ici. Ils sont en train de prier nuit et jour, ils ne mettent rien dans leur bouche. Le serviteur a dit, ils sont dans la douleur de l'enfantement. Et elle dit, ils sont en train de crier comme une femme qui enfante. Oui, ils sont dans la douleur de l'enfantement. Encore et encore, 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 Église, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Si Dieu peut nous faire grâce ce soir, même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour votre église, pour notre église, partout dans le monde, si Dieu peut nous faire cette grâce ce soir, de susciter des hommes et des femmes remplis de l'esprit d'intercession, remplis de grâce, remplis de la puissance, de l'onction dans la prière, afin que nous puissions tenir ferme, afin que nous passions par le feu. Le feu peut être là, mais le problème c'est de pouvoir passer par le feu. Être vainqueur avant que je ne reçoive le miracle, j'ai besoin du soutien. Du soutien du ciel. Dieu. Oh my God. Jésus. Yes, Lord. Le pasteur va prier. Tu es des grâces. Le seul cri de notre cœur, donne-nous un cœur de prière. Exerce nos genoux à la prière. Enflamme nos cœurs pour la prière. Enflamme nos cœurs pour la prière. Que le feu de la prière s'allume dans notre cœur. Que notre cœur puisse vibrer au rythme de la prière. Dieu des grâces. Au rythme. Nous voulons que notre cœur puisse battre, Seigneur, au rythme de la prière. C'est ces hommes et ces femmes que nous voulons être. C'est cette église que nous aspirons être. Une église qui prie, qui cherche ta face, qui porte le fardeau. Qui se déchire pour les nations. Yes, Lord. Qui pleure pour le salut des âmes. Yes, Lord. Pour la délivrance des nations. Pour la restauration des familles. Pour la libération des captives. Yes, Lord. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Nos cœurs se disposent. Nos cœurs se disposent. Enflamme-le. Enflamme-le. Enflamme-le, Seigneur. Enflamme-le. Je me rends entendre quelqu'un d'autre par une courte prière. Avant que la personne ne prie, le pasteur Papicho va prier par une courte prière. Dire à Dieu, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, enflamme-nous, Seigneur, trace le chemin. Nous avons besoin des cœurs qui tracent le chemin à genoux.
le chemin pour l'implantation des extensions. Le chemin pour le salut des âmes, pour la délivrance. Le pasteur Papichou, par une courte prière, va élever sa voix devant le trône. Nous attendons à toi, Seigneur, les mains levées devant toi, pour que tu déverses cette grâce d'intercession dans nos cœurs. Tu réponds à la prière. Tu as dit, invoque-moi et je répondrai. Seigneur, dépose ce fardeau, cette douleur, Seigneur mon Dieu, d'enfantement, ô Dieu, qui nous pousse, Seigneur mon Dieu, à enfanter. Enfanter des grands réveils, enfanter des grands miracles, enfanter des grandes restaurations, Seigneur mon Dieu de gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux entendre quelqu'un, une personne dans la salle prier brièvement pour dire, Seigneur, répands. Entre-temps, je ne sais pas, chorale, s'il y a une chanson en sourdine qui vous monte à cœur. Dans cette atmosphère où nous nous attendons à Dieu et à Dieu seul, à l'Esprit des dieux, de faire des choses, de répandre cette grâce. Oh Dieu. C'est notre cri en ce soir. Oh Dieu. Et par la puissance de ton Esprit qui nous anime, je te remercie de ce que tu déposes, un esprit de prière dans nos cœurs. Que ce soit notre mode de vie, que ce soit notre respiration, que nous puissions être des amoureux de la prière, aimer et prier, afin de recevoir dans l'esprit ce que tu veux dire, ce que tu veux faire. Sers-toi de nous, utilise-nous, afin que nous puissions refléter ta gloire et manifester ton onction, ta puissance sur la terre. Nous voici, Seigneur, tes fils, tes envoyés, au nom puissant de Jésus. Merci pour l'onction et l'esprit de prière que tu répands sur nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'entends comme une chanson en train de monter quelque part. On peut chanter. Oh yes, Lord. Souffle, Esprit des dieux. Souffle dans cette église, Seigneur, dans cette église, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Souffle, Seigneur, souffle, Seigneur. Ô Dieu des grâces, ô Dieu des grâces. Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces. Chante. Oh, shy money, they play.